J'ai appris qu'elle s'était impliquée personnellement, notamment ce qui concerne la COP22 que le Maroc aura l'occasion de recevoir dans quelques mois. Les courriers ont apparemment directement été adressés émanant du cabinet de la Première Dame, donc de Son Altesse Royale. Et j'ai appris qu'elle organisait aussi également un événement fin septembre qui s'intitulera « Femmes et climat ». Auquel j'ai l'honneur d'être conviée. J'espère que je pourrai avoir l'occasion de m'entretenir avec elle, de la rencontrer et surtout d'apprendre de toutes ces expériences qu'elle a eu à mener au Maroc, où je constate avec joie que la situation de la femme a beaucoup évolué. Je sais qu'il y a une dizaine d'années, le code de la famille a été réformé. Je m'y intéresse également pour voir quelles sont toutes les annotations, les modifications qui ont pu être portées, parce que j'ai l'ambition de pouvoir moi aussi proposer un projet de loi au sein de l'Assemblée parlementaire de mon pays.